Salut à tous et à toutes, c'est Blade. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo d'un de mes nouveaux concepts que je vous avais parlé lors de ma vidéo de remerciement. Donc, je vous avais parlé du concept où je vais parler de 5 chaînes manga que je kiffe. 5 chaînes manga pour le moment. C'est parti! Donc, nous allons commencer par parler d'un youtubeur que je connais depuis maintenant pas mal de temps. Il s'agit de Kazuko Manga. Kazuko Manga qui a 122, à l'heure actuelle où je vous parle, qui a 122 abonnés et qui fait des vidéos unboxing, il fait des AMV, il fait des achats manga, donc tout pour faire plaisir. Mais et puis ces vidéos sont je trouve bien travaillées. Après, pour moi, ce qui manque un peu, c'est, tu vas regarder cette vidéo certainement, après c'est mon avis, mais travaille un peu plus tes miniatures, puis un petit peu ton montage. Mais sinon, c'est vraiment un youtubeur qui est vraiment bien, qui fait vraiment de bonnes vidéos. Moi, j'aime bien en tout cas, mais en tout cas, il n'y a que 122 abonnés pour le moment, hein, ce qui va encore augmenter. Donc, si vous ne connaissez pas Kazuko Manga, donc je vous conseille d'aller vous y abonner. De toute façon, il y aura sa chaîne dans la description, comme ça ce sera plus simple pour aller vous y abonner. Nous passons maintenant à Raster Manga. Raster Manga est un youtubeur qui a beaucoup plus d'abonnés que moi ou Kazuko, qui a 1226 abonnés et qui fait des vidéos de présentation de manga, de figurines. De ce qu'il a en partenariat avec Kiyun, donc les nouveautés qu'il a en partenariat. Il fait des lives, il fait beaucoup de trucs vraiment sympathiques, des coups de cœur, des achats manga, des remerciements, voilà, présentation de manga tech, des trucs, voilà. Et vraiment, c'est vraiment un bon youtubeur parce que moi j'aime bien sa façon de présenter, il explique bien. Après, ce qui manque un peu. Pareil comme Kazuko, pour moi c'est les miniatures, pour moi il manque que ça, hein. Pour que ce soit une chaîne toute complète, moi je trouve, et je pense qu'avec ça, avec les miniatures, je pense qu'il boostera encore plus son abonné et ce serait cool pour lui. Voilà, donc c'est tout pour Raster Manga, donc n'hésitez surtout pas à aller vous y abonner parce que c'est une très bonne chaîne, moi que j'aime beaucoup en tout cas. Donc sa chaîne sera dans la description, donc pareil comme Kazuko, allez vous y abonner. Nous passons maintenant à Ultimate Manga. Ultimate Manga est un youtubeur qui lui, je n'ai vraiment rien vraiment à lui reprocher, enfin sur sa chaîne globalement, parce que vraiment il a, depuis je pense l'année dernière, il a monté en flèche en abonnés, mais d'un coup. Ses vidéos sont super bien travaillées. Bon, des fois je regrette un peu que ses vidéos sont un peu courtes par moment, parce que tellement qu'il fait du bon taf que j'aime vraiment bien, que des fois je regrette un peu que ses vidéos sont un peu courtes. Mais il fait vraiment de vidéos, il fait vraiment de tout. Donc il a 1326 abonnés, un peu plus que Raster. Donc c'est le youtubeur que je vais vous présenter qui a le plus d'abonnés, mais qui voilà, donc il fait des achats manga, qui fait des découvertes manga, qui fait voilà des tops animés à ne rien manquer en 2018 par exemple. Voilà, il fait il a fait une vidéo multi-invocation, donc si tu vois cette vidéo, ben j'aimerais bien que tu continues parce que c'était vachement sympa. Il fait quel manga, il fait des conseils manga pour Noël par exemple, la manga tech parfaite par exemple, donc il conseille des mangas et tout, et c'est vraiment pas mal. Donc les miniatures sont super bien travaillées, donc j'aime vraiment bien, et puis le contenu de la vidéo est vraiment juste superbe. Donc voilà, donc je vous conseille d'aller regarder Ultimate Manga et de vous y abonner parce que c'est un très bon youtubeur, il explique bien. Donc voilà, donc je vous y conseille absolument, allez le voir. Nous passons maintenant au Monde de Taille. Le monde de Taille est un youtubeur manga. Bah, il n'y aura que des youtubeurs manga dans cette vidéo, hein, je l'ai dit. Donc le Monde de Taille qui a actuellement 963 abonnés
et je l'encourage à atteindre assez rapidement les 1000 abonnés. Voilà, donc le monde de taille, c'est à peu près pareil. Il fait de super bonnes vidéos, de super bonne qualité, comme les précédents que j'ai présentés, donc Ultimate Manga, Raster et Kazuko. Voilà, il fait des lectures manga, donc ce qu'il lit dernièrement, il a fait une vidéo lecture roman, il présente ses achats, des cartes, voilà, il fait vraiment un peu de tout. Et c'est vraiment super sympa, il y a une bonne ambiance. Après, je pense, ce que je pourrais un tout petit peu regretter, mais c'est vite fait, hein, c'est vraiment un tout petit truc, c'est une petite musique. Je sais pas, si tu regardes cette vidéo, ce qui manquerait, c'est pour moi une petite musique, un petit fond, une petite musique, pour que ce soit vraiment encore plus, plus génial. Mais sinon, le reste, c'est super bien, hein, ton contenu, tout le reste, c'est vraiment bien. Donc j'aime beaucoup en tout cas ta chaîne, donc il est à 967 abonnés à l'heure où je vous parle. Pareil, allez vous y abonner parce que c'est une bonne chaîne que je vous conseille si vous ne la connaissez pas. Allez-y parce que voilà, il y a bientôt les 1000 abonnés, donc voilà, faut être en masse. Et nous terminons cette vidéo, cette vidéo présentation de chaîne par One Piece News. Alors, One Piece News, c'est un peu plus différent que les autres chaînes, parce que c'est une chaîne qui parle exclusivement de One Piece. Donc des théories, des chapitres, il est même souvent en live. Donc actuellement, bon, il a un peu plus d'abonnés que moi, il a 237, alors que moi je suis à 207 à l'heure où je vous parle. Donc il a 237 abonnés, il fait vraiment de super bonnes vidéos, donc d'une superbe qualité. Voilà, sa dernière vidéo que je vous conseille d'aller la voir, ça parle de Fujitora. Donc voilà, il a parlé aussi de 5 fruits du démon pour Sanji, donc vraiment des théories qui sont probables, hein. Bon, après, il y a des fois, je trouve qu'il y a des théories qui ne sont pour moi pas probables d'arriver. Bon, après, c'est mon avis, mais ça n'empêche pas que même si ces vidéos où je ne suis pas trop d'accord sur ces théories, n'empêche pas que c'est super bien présenté, que c'est convaincant, je trouve. C'est vraiment, une chaîne vraiment super bien. Voilà, il en fait, enfin, dès qu'il peut, il fait une vidéo, mais franchement, allez le voir, parce que quand sa vidéo sort, eh ben, c'est une superbe qualité, et on peut s'attendre à du lourd. Donc One Piece News, pareil. Je vais le redire dans toute la vidéo, dans sa chaîne, dans la description, et je vous conseille vivement d'aller le voir parce que voilà, c'est une superbe chaîne, et puis d'ailleurs il m'a fait de la pub, donc je le renvoie à l'ascenseur. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo où je vous parle de chaînes qui m'ont bien plu, hein, en tout cas ces 5 chaînes. Je vous conseille vivement d'aller les voir parce que ce sont vraiment de superbes chaînes. Voilà, donc Kazuko, Raster, Ultimate Manga, One Piece News, et le monde de taille, j'avais oublié. Donc voilà, toutes ces chaînes seront dans la description. N'oubliez pas d'aller vous y abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Jana.